Meetup stratégie émotionnelle et UX in startup. On a un petit peu commencé en retard, on attendait un petit peu de monde. Donc voilà, on est prêt. Donc la future speakeuse qui arrive. Sans elle, je ne suis rien. Bonjour. Au programme, donc on va avoir deux présentations. Mais avant, je vais vous faire un petit, je vais vous prendre 5 minutes de votre temps pour vous expliquer qui on est, ce qu'on fait, et puis vous donner un peu voilà des actus que j'ai pu piocher à droite à gauche. Alors déjà, bienvenue. Ça, je vous l'ai dit. Donc je suis ravi de voir que ce meet-up est toujours aussi rempli. Je vois qu'il y a une chaise vide devant, alors qu'on a mis des gens à côté. C'est dommage. Et vous attendez quelqu'un? Non. Bon, tant pis. Ça sera un fantôme. Petite chose aussi, donc n'hésitez pas à tweeter, le hashtag c'est StarduX et on a mis en place un petit jeu, c'est le meilleur tweet ou le tweet le plus marrant. On se verra offrir, je sais pas, on a des petits goodies, des choses comme ça, donc on a des zoning cards, un t-shirt et d'autres choses, donc n'hésitez pas à être créatif, incroyable et tout ça. Alors, qui on est? Donc là, peut-être que vous l'avez remarqué, parce qu'on est chez UX République, je pense que c'est marqué à peu près partout, en haut, en bas, dans les escaliers. Donc, qui on est? On est un cabinet de transformation digitale et d'innovation user-centrique. On a 4 piliers forts qui sont l'UX Stratégie, l'UX Research, l'UX Design et l'UX Technologie. Et moi, je suis Romain Landsberg, je suis associé et fondateur. On est 3. Donc on est une agence de conseil en création d'expérience, on a 100 collaborateurs basés entre Paris, Bordeaux, Aix et Aix-Marseille. On a 6 années d'existence, on a 8 millions de chiffres d'affaires, on vise 10 millions pour 2019. On a aussi un centre de formation agréé qui a fait venir, par exemple, vous avez encore des traces sur les murs, Nielsen Norman en novembre. On a reçu Paul Kahn début du mois et on reçoit Jamie Levy de UX Stratégie cette semaine. Donc voilà où on en est, Paris, Bordeaux, Aix-Marseille, mais donc Paris, nous on travaille sur Paris et l'Île-de-France, première couronne, et Bordeaux, on travaille sur Bordeaux, mais on vient de signer un gros contrat par exemple qui va se passer à Toulouse, donc les collaborateurs sont aussi amenés à se déplacer un peu. Et Aix-Marseille, voilà, on gère toute la partie sud-est. Et on recrute pour ces 3 régions, donc des UX designers, des product owners, des développeurs, des UX UI designers aussi. Et sur ce sujet, alors je pense que peut-être que vous l'avez vu, on a lancé cette campagne qui s'appelle Jobs to be Done. L'idée, c'est aussi de recruter, on recrute des gens pour faire des choses. Et on a lancé une campagne là-dessus sur aussi pour expliquer notre métier, qui est aussi des fois à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait concrètement. On ne met pas des post-it sur des murs, on ne fait pas des sketchs. Tout ça, c'est un objectif globalement fort. Et c'est par exemple bâtir des organisations ou structurer des process, concevoir des design systems, pérenniser des organisations. Donc voilà, c'est pour montrer tout l'étalage de nos compétences. Hop. Et si vous voulez justement, pardon, j'en ai un peu derrière, postuler, n'hésitez pas. Donc 3 façons de faire. Hein. Vous pouvez nous écrire à joinus@uxrepublique.com. Vous pouvez aussi, ici ce soir, il y a des gens de chez nous qui peuvent être disposés à vous écouter et qui seront là après pour la session pizza-bière. Ou alors, on a, pour les gens qui sont un peu plus pressés ou un peu plus réservés, on a mis en place une boîte aux lettres qui se situe dans l'espace avec des papiers. N'hésitez pas à les remplir, on vous recontactera. Alors, j'en ai parlé de Jamie Levy qui vient 28-29 mars faire un workshop sur Business Canvas et Guerilla Research. Et donc ça, on est assez fiers parce que c'est des moments assez... On fait venir de 2 à 3 fois par an des pointures des États-Unis sur de la formation. On a eu Paul Kahn en mars sur le UX Experience Mapping et sur Nielsen Norman. C'était 5 jours dédiés à la certification Nielsen Norman sur pas mal de choses, sur la mesure de l'UX par exemple, qui était passionnant. J'ai eu la chance de les faire et globalement, c'était assez intéressant, vraiment. Autre événement, c'est un événement pro. Les meet-up, clairement, aujourd'hui, c'est des événements qui sont liés à la communauté, c'est un moment de partage. On essaie aussi d'avoir des moments liés avec nos clients ou les prospects. Donc, on fait un petit déjeuner client. C'est notre deuxième. On avait déjà travaillé avec AXA sur le design sprint. Et là, c'est orienté UX Research. Pardon. Et on fait intervenir Blablacar sur l'intégration de leur offre Blablabus, qui est peut-être sûrement au courant, mais Blablacar a racheté Webus. Et donc, a été mis en place toute une stratégie de test utilisateur vers une perfection de service. Donc ça, c'est mardi 2. Donc, si vous voulez, il y a encore quelques places pour les entreprises. Par contre, je serais désolé, je ne pourrais pas accepter les freelances ou étudiants. C'est pas le moment. Il y a d'autres moments pour se rencontrer. Un petit point d'actu. J'essaie maintenant de mettre des 3 petits focus sur
des nouveautés qui ont pu être vues, déjà vues ou pas vues, mais voilà. Ça, vous l'avez peut-être vu, c'est Nvidia, c'est assez, ce qui m'a bluffé ces 2 dernières semaines. C'est un outil, alors l'outil n'est pas beau en soi, hein, d'accord? C'est plutôt les outils qu'on reçoit plutôt en entrée de projet, genre voilà, ça c'est l'outil, c'est une machine, on ne comprend rien. Mais c'est plutôt ce que ça fait qui est impressionnant. C'est un outil qui pour concevoir des décors en direct. Donc, Nvidia, pour ceux qui ne savent pas, c'est des créateurs de processeurs graphiques. Et globalement, vous voyez, il conçoit en fait le résultat et la partie de droite, et lui, on dirait plutôt du paint d'il y a 30 ans. Et en fait, avec ça, il a des palettes, outils nuages, montagnes, et ça crée des décors automatiques. Alors pourquoi faire ça? C'est la question qu'on peut se poser. Dans leurs vidéos, ils montrent l'intérêt sur des simulateurs en réalité virtuelle, par exemple sur pour de la conduite, ou pour pas mal de choses, ou pour des décors pour plein de choses, quoi, globalement. Le pourquoi, on trouvera ce qu'on va y faire, mais déjà, je trouve que le quoi était déjà assez impressionnant. Après, là, j'enfonce une autre porte ouverte, je pense que tout le monde l'a vu, ça, Love, Death plus Robots. Qui n'a pas vu Love, Death plus Robots? Voilà, non, voilà. Oh, encore un petit peu, ok. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une série de courts-métrages Netflix qui est sortie il y a maintenant le 15 mars, je crois. J'en parle, je pense que vous avez tout vu, tout lu là-dessus, sur le sujet. Moi, juste sur celui-là, c'est rare, sur cet épisode-là, c'était peut-être pas le temps, le scénario, mais cet épisode-là, je trouve que visuellement et graphiquement, il m'a mis une claque comme ça faisait très longtemps, ce mélange d'hyper-réalisme et de BD, de lo-fi, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, je l'ai même partagé plusieurs fois, alors ce qui, aujourd'hui, on a du mal à s'étonner. Je trouve que là, ça m'a vraiment agréablement surpris, ce traité graphique. Alors peut-être que je ne connais pas tout et ça existait déjà, mais en tout cas celui-là vraiment m'a bluffé. Quelques chiffres. Est-ce que vous savez ce que c'est 2020? Qu'est-ce qui coûte 2020 euros? Ah oui. Alors, c'est le Samsung Galaxy Fold. Bon, ça devient au-delà des téléphones vertus, qui avaient des téléphones en diamant, ce genre de choses, qui étaient vraiment les téléphones les plus chers au monde. Donc là, Samsung, voilà, a pété les scores, hein, globalement, avec 2020 euros. On a passé le. Alors, je pense que c'est pour l'année, ou le cap fatidique des 2000 euros. Donc, c'est le premier modèle du téléphone pliable, mais voilà, 2020 euros. Vous pouvez me dire qu'une tablette plus un téléphone, ça fait moins cher que 2020 euros. Mais bon, j'essaie de me convaincre encore, mais je n'ai pas encore réussi. Autre chiffre, 37%, celui-là il est assez incroyable, peut-être que vous l'avez eu passer. 37%, c'est 37% du trafic mobile mondial est lié à YouTube. Je trouve ça totalement incroyable que 37% de la data qui passe par des mobiles est dédiée à YouTube. Donc voilà, c'est plus d'un tiers. Donc on peut imaginer que YouTube n'est pas très green, parce que loin pour 37, faut quand même sacrément de data center pour faire vivre ça. Et moi, c'est souvent, quand les gens écoutent de la musique sur YouTube, je me dis que c'est quand même dommage de consommer autant de data, alors souvent, ils mettent pas le visuel avec, quoi. Donc c'est. Voilà, bon, bref. Donc voilà, ce chiffre, je le trouve totalement incroyable. J'étais vraiment surpris. C'est pour ça que je me permets de vous le partager. J'ai presque fini. Les intervenants, donc Leslie Pochec ici présente, qui va intervenir, qui est de chez UX République, qui travaille chez Odigo. J'en dis pas plus, elle se présentera en détail après. Et Quentin Colus, qui est aussi chez UX République et qui lui travaille chez Nexity. Donc ce soir, ce sont deux personnes de UX République. Le mois dernier, pas du tout, donc c'est pas une obligation. C'est en fonction des présentations que l'on peut avoir. Si vous sentez que vous avez un sujet à présenter, vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du meet-up. On est ravis d'accueillir des gens pour en parler. Le prochain sera organisé par nous, notre business unit industrie et transport. Donc il y a déjà une prise de parole faite par la SNCF sur une méthode. Mais voilà, si vous avez un sujet qui est dans cette industrie, on serait ravis de l'accueillir. Et puis pour le mois de mai, mois de juin, septembre, tout ça, n'hésitez pas à venir nous parler. Donc après la présentation, on a un temps d'échange, pizza, bière, parole, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, vous pouvez aussi interroger les gens qui ont pris la parole. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un excellent meet-up. Et je laisse la parole à Leslie. Alors déjà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Leslie, je suis UX designer chez UX République et donc je suis en mission
chez Odigo. Donc Odigo, c'est une entreprise qui crée des services clients, des solutions pour les services clients. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie émotionnelle. Donc en première partie, on va voir quelques notions théoriques sur le design émotionnel et les émotions. En deuxième partie, on va voir l'ancêtre du design émotionnel, le marketing émotionnel. Après, on va regarder qu'est-ce que c'est le design émotionnel dans le digital. On va regarder aussi qu'est-ce que c'est le design persuasif. Et après, on va voir ensemble comment on peut créer une stratégie émotionnelle adaptée à un produit. Donc pour commencer, le design, c'est quoi ? Donc selon Steve Jobs, le design, c'est pas simplement à quoi ça ressemble et ce que ça nous procure. Le design, c'est comment ça marche. Et le design émotionnel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le design émotionnel, c'est arriver à susciter des émotions chez les utilisateurs pour améliorer les expériences. Donc le design émotionnel, c'est ça, c'est le battement de cœur quand on shazam une musique. Et c'est pas ça, le site des impôts qui est à peu près horrible. Donc je ne sais pas si vous connaissez Aaron Walter, c'est quelqu'un qui a écrit un livre sur le design émotionnel, c'est un designer. C'est le designer de MailChimp qui a créé le petit singe. En fait, lui, il met en parallèle la pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins humains, qui dit qu'on a d'abord des besoins fondamentaux avant d'atteindre des besoins d'accomplissement personnel. Et il met ça en parallèle avec le design produit, en disant qu'un produit doit être d'abord fiable et utilisable pour après être agréable. Et beaucoup de designers s'arrêtent à fiable et utilisable. Donc vous connaissez probablement tous Don Norman. Donc lui, sa théorie, c'est qu'il y a trois niveaux de conception de design. Le niveau viscéral et comportemental, en fait, qui sont inconscients. C'est-à-dire que viscéral, c'est quand on va voir un objet et tout de suite, ça va parler à notre inconscient. Une image, c'est beau, ou on se dit ça, c'est bon pour moi, ça, c'est pas bon pour moi. Comportemental, c'est vraiment comment on va se servir des objets. Par exemple, quand on conduit une voiture, on s'en aperçoit pas, c'est inconscient, mais on s'en sert. Et réflectif, en fait, c'est tout ce qu'on va ressentir avant, pendant et après l'utilisation d'un produit. Donc concrètement, comment ça marche ? Les émotions, elles nous aident à mémoriser les expériences. Et en fait, plus les expériences sont bonnes, plus ça va avoir d'impact sur la fidélisation et aussi sur l'acte d'achat. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut améliorer le taux d'adhésion d'une marque. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Paul Ekman. En fait, c'est un psychologue des années 30 qui a repris en fait la théorie de Darwin qui dit qu'il y a des émotions universelles. Et lui, il classe les émotions, il en classe 6, qu'on peut reconnaître en fait dans les expressions faciales et les micro-expressions. Donc, on a le dégoût, la joie, la tristesse, la colère, la peur et la surprise. Au niveau de notre cerveau, en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les informations, elles passent en premier par le cerveau limbique. Et en fait, c'est le filtre, ça passe par le filtre des émotions. Donc nous, en tant que designer, on a vraiment une carte à jouer sur les émotions. Donc là, on va voir des stratégies de marketing émotionnel pour voir un petit peu comment ça fonctionnait avant... avant le design émotionnel. Donc la première marque, on la connaît tous, c'est Apple. On peut dire qu'eux, ils maîtrisent vraiment l'émotion chez les utilisateurs. Donc ils ont une technique qui est très bien rodée. Ils commencent par une keynote pour créer de l'anticipation. Donc ils vous teasent, ils vous disent, il y a des produits magnifiques qui vont sortir. Donc là, tout le monde n'en peut plus, on veut vraiment les produits. Et puis là, on a la possibilité de les précommander. Il y en a certains qui sont très rares, donc on a encore plus envie de les avoir. Et puis là, ils nous attrapent par le... En fait, ils ont un souci du détail qui est incroyable. Et les packagings, ils sont tellement beaux que parfois, ils sont plus beaux que les objets lui-même. On a du mal à les jeter. Et en fait, je vais vous montrer un truc. C'est deux jeux vidéo. Donc ça, c'est comment on design les jeux vidéo, comment on fait le packaging des jeux vidéo en France. Et ça, c'est plutôt au Japon. Donc en France, en fait, c'est assez simple, il n'y a rien. Et enfin, c'est une petite jaquette avec une image, etc. Au Japon, en fait, ils ont l'habitude de faire des packagings assez,
assez incroyable, enfin, du moins très travaillé. Donc dedans, on peut avoir, donc dans celui-là, il y a un petit livre avec des images sur les personnages. Là, il y a un deuxième boîtier, mais celui-là, il est plastifié, je ne sais pas quoi, en argent. On a notre jeu. Et en plus, on a... alors, ce que c'est là, on a un pins. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'au Japon, les gens, ils piratent pas les jeux vidéo parce que ils veulent tout ça. Et parfois, ils achètent juste pour le contenu, en fait. Du coup, pour en revenir à Apple, donc en plus du packaging, ils rendent leurs produits vivants et humains. Par exemple, là, les applications, elles tremblent de peur si on veut les enlever. Et la diode des Mac, elle respire. Donc ça, c'est des petits trucs, mais ça parle à notre cerveau de manière viscérale. Donc là, on va regarder une stratégie complètement différente. C'est Nike, c'est un design réflexif. Nike, c'est vraiment quelque chose qui va nous parler à travers l'image qu'on va avoir de soi. Donc déjà, Nike, il cherche toujours à s'associer à des grands sportifs. Donc là, c'est Michael Jordan pour les chaussures. Ils ont leur slogan « Just do it ». Et vraiment, je lis un petit bout d'article qui les résume, c'est « Ne consommez pas seulement mes produits pour ce qu'ils sont, mais venez à moi parce que vous partagez mon point de vue sur le sport et la société ». Donc vraiment, c'est comment on va partager nos valeurs. Et quand ils lancent une appli, c'est tout un lifestyle. Il y a des gens qui viennent courir avec vous, qui font des Nike running. Il y a tout un tas de trucs autour de ça. Le suivant, c'est McDonald's. Donc McDonald's, c'est très viscéral, c'est friendly, mais ça parle à votre estomac et ça parle à vos enfants. Et McDonald's, ils ont des ballons dans les restaurants. Enfin, vraiment, c'est fait pour, ils ont des couleurs vives. C'est une technique très viscérale. Donc là, on va regarder un petit peu comment ça se passe, les stratégies de design émotionnel dans les produits digitaux. Donc Google, ils ont un positionnement très humoristique. Ils ont leur bouton « J'ai de la chance » si on a envie de cliquer. Ils nous proposent de nous apprendre des petites choses avec des petits dessins tous les jours. Et ça, tu connaissais pas, c'est l'anniversaire de je ne sais pas quoi. C'est aussi le champion des easter eggs. Donc les easter eggs, si vous ne savez pas ce que c'est un terme qui a été inventé par des développeurs. Et en fait, en informatique, c'est le fait de cacher des fonctionnalités dans un jeu vidéo ou dans du code. Donc là, par exemple, Google, si on tape « fait le rouleau » en anglais, bah, il fait le rouleau, il tourne. Si on tape « les poneys à la queue leu-leu » dans Hangout, et bah, on a des petits poneys, je les ai testés, hein, ils marchent toujours. Ils ont fait, alors ça c'était l'année dernière, c'était pour la sortie d'un jeu Mario Kart. Quand on se mettait sur Google Maps, en fait, c'était pas nous, c'était pas comme d'habitude, c'était un petit Mario qui avançait, qui faisait le chemin à notre place. Une autre stratégie, donc on en revient à Ron Walter, c'est MailChimp, avec sa mascotte et sa personnification. Donc MailChimp, en fait, enfin Aaron Walter, il a travaillé la stratégie de MailChimp avec la personnalité vraiment du petit singe. Et en fait, le petit singe, il l'a fait ressembler à un bébé. Alors je vous explique pourquoi, parce que les bébés ont un pouvoir vraiment sur nous. Et dans le livre, il dit « Je sais que ça paraît dingue, mais certains scientifiques pensent que si nous avons évolué de manière à aimer les visages des bébés, c'est à l'origine pour éviter de les tuer. Être mignon, c'est la première ligne de défense d'un bébé. » Mais en vrai, voilà, on adore les bébés. On les tue pas. Et du coup, ils ont toute leur stratégie qui est calée là-dessus. Et le petit singe, c'est un farceur. C'est-à-dire que quand on arrive sur la page d'accueil, il nous balance des vidéos YouTube avec des contenus n'importe quoi. Il nous met des messages aléatoires. Il fait des blagues tout le temps. Et quand on en a marre, on peut mettre un mode rabat-joie, un mode comme si c'était nous qui étions pas drôles. Mais lui, il est vraiment super. Donc il y a d'autres techniques pour mettre du design émotionnel. Une qui est couramment faite, c'est de mettre du design émotionnel dans les pages d'erreur, dans les pages 404. On peut faire des blagues. Une autre option aussi, c'est de faire sentir à votre utilisateur qu'il est libre. Donc quand Twitter ou Outlook lance une nouvelle version, on a un bouton qui nous permet d'accéder ou pas à la version.
Et puis sinon, il y a une marque, alors c'est IKEA, eux, c'était les champions du street marketing et ils mettaient des canapés tout le temps dans la rue, sur les arrêts de bus. Là, ils ont mis des bains sur les quais, je crois. Et alors, eux, en fait, là, grâce à la réalité virtuelle, ils vous permettent je passe un petit peu le son, de tester en fait les meubles dans votre salon. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder autre chose, c'est le design persuasif. Donc, qu'est-ce que c'est le design persuasif? On pourrait dire que le design émotionnel fait partie du design persuasif, mais si on regarde la définition, le design persuasif, c'est essayer d'influencer l'utilisateur durablement. Le design émotionnel, c'est essayer de lui procurer des émotions positives. Le fait d'insister sur durablement, et en fait, ils ne nous disent pas comment. C'est ça où le design persuasif, il peut avoir d'autres techniques. Alors, je vais vous donner des exemples. Il y a par exemple l'effet gel. C'est si vous laissez vos affaires sur la plage et que vous allez vous baigner, si quelqu'un prend quelque chose, votre voisin de serviette, il ne va pas forcément réagir. Mais si vous lui demandez avant d'aller vous baigner, vous pouvez me surveiller mes affaires, il y a 90% de chances pour qu'il puisse intervenir. Donc là, vous l'avez influencé. Il y a une autre technique, c'est l'amorçage. Quand on vous dit tu viens demain à la réunion? Ah oui, ok. Bah, c'est à 7 heures. Ah, trop tard. Là, on s'est fait piéger. Il y en a une autre, c'est le pied dans la porte. Enfin, celle-là, elle est plus connue. C'est que si vous discutez un petit peu avec quelqu'un, vous avez beaucoup plus de chances que si vous lui demandez 1 € après qu'il vous le donne, que si vous discutez pas. Donc en fait, c'est plein de petites méthodes pour arriver à vos fins. Donc, il y en a un qui maîtrise bien le design persuasif, c'est Amazon. Donc Amazon, c'est très déculpabilisant, ça a l'air bon marché, ça a l'air sympa, ils ont un one click, alors on se dit oh là là, je vais acheter ça super vite. Mais en fait, ils vous matraquent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils vous reproposent tout le temps tout ce que vous avez vu, et ils vous le rabâchent, ils vous le rabâchent, ils vous le rabâchent, et puis après, ils vous font des recommandations personnalisées jusqu'à ce que vous ayez vu 50 fois le truc que vous vouliez peut-être et que vous vous sentiez presque obligé de l'acheter, il vous oblige jamais, mais on n'est pas loin. Alors dans le genre aussi, il y a Netflix. Donc Netflix, ils ont une interface super puissante qui est personnalisée en fait, qui va pareil vous proposer du contenu. Ça, c'est pour vous et ce film, c'est parce que vous avez regardé ça. Et après, ils sont hyper forts, ils mettent l'autoplay, c'est-à-dire que on regarde un truc, on ne sait pas, hop, ça se met en marche tout seul et en fait, on finit par regarder un truc qu'on n'aurait jamais regardé. Bon après, c'est peut-être bien, mais encore une fois, c'est très persuasif. Et il y a dans le même style tous les réseaux sociaux, style Facebook, Twitter, Instagram, qui mettent en place en fait un scroll infini pour toujours vous donner du contenu et toujours vous divertir. Donc il y a un livre qui parle de ça s'appelle Hooked, qui parle un peu de comment créer de l'amorçage. Il y a aussi quand on a l'impression qu'on va faire une bonne affaire, donc ah, c'est 3 jours gratuits, on va peut-être s'inscrire, ça va être bien, mais derrière, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc là, je dis, et l'éthique dans tout ça. Quand on regarde les chartes d'éthique du X-Designer, ils disent tous à peu près la même chose. Ils disent, soyez honnête et digne de confiance. De toute façon, quand vous commencez à faire des trucs où on force, où on rentre dans des dark patterns, vous le savez. Donc après, c'est à chacun de se positionner et de savoir quel designer vous voulez être. En parlant de dark pattern, je vous donne quelques exemples. Donc, par exemple, là, ici, c'est LinkedIn. Donc, je crois que j'ajoute des copains et puis en fait, je spamme 375 personnes. Ou Ryanair, je voudrais me désabonner ou me désassurer. Et le bouton pour ne pas m'assurer, il est caché dans une liste de pays. Donc là, il fallait le trouver.
C'est un peu aussi comme quand on essaye de se désinscrire d'un compte premium de LinkedIn. J'ai cliqué dessus, moi, par erreur. Bah, franchement, j'ai passé 2 jours à essayer de me désinscrire. Et Amazon, c'est pareil, fermer son compte, c'est bien caché. Voilà. Donc, maintenant que vous savez tout ça, vous avez une petite idée de où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, on va voir ensemble comment on peut créer une stratégie émotionnelle adaptée à un produit. Donc, déjà, le premier truc, c'est bien adapter sa stratégie. Cette image, c'est une image de je me suis désinscrite. Qu'est-ce que je vois? Je vois une blague qui parle d'Angelina et Brad Pitt, je comprends rien, je sais pas qui ils sont, et mon message, vous êtes bien désinscrit, il est en dessous. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est drôle dans un moment où, en fait, moi, je m'en fous, et je voulais pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est bien définir ses objectifs. Qu'est-ce que c'est mon but fondamental? Donc là, le premier but, c'est j'ai une clé USB. Mon but, c'est de stocker des données. Qu'est-ce que c'est mon but hédonique? C'est d'enchanter l'utilisateur. Comment je vais faire? Bah, je vais faire une clé Star Wars. Et en fait, il va être tellement fort, mon but hédonique, que parfois, les gens, ils vont acheter mon objet ou mon expérience alors qu'ils n'avaient même pas besoin d'une clé USB à la base. Donc, une technique pour ça, c'est de refaire comme Aaron Walter un persona émotionnel. Lui, il l'applique à sa mascotte et il l'injecte dans son design. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que vous faites votre persona émotionnel, mais vous pouvez le montrer ou vous pouvez le cacher. Ça va pas forcément être une mascotte. Ça va être un persona de stratégie. Alors, on va regarder ensemble comment ça marche. Donc, là, je vais me déplacer. Donc, en fait, par ici, il va falloir que vous créez, vous lui mettez une photo, un nom, un âge, et il faut que ce soit une vraie personnalité, quelqu'un qui est réel, qui existe dans la vie. Après, il va falloir lui donner des caractéristiques. Donc, il faut lui donner des qualités, des défauts, c'est très important. Et on peut lui donner, donc, il est comme ci, mais pas comme ça, ou il est comme ci, voire même, enfin, il est drôle, voire même un peu taquin. Ici, donc si on prend Mailchimp, on a la photo de Mailchimp, le petit singe qui s'appelle Freddy, il a, je sais pas, il doit avoir 20 ans parce qu'il est un petit peu gamin dans sa tête. Il est un petit peu farceur, il est coquin mais pas méchant. Après, on va placer donc comment il va nous parler. Donc c'est quelqu'un qui est un peu leader, qui est plutôt sympathique, qui est pas trop soumis. Donc on va plutôt le placer par là. Et après son discours, on va essayer d'imaginer comment cette personne elle s'exprime. Donc enfin déjà quel discours il a, est-ce que c'est familier, est-ce que c'est expert, on va le situer. Et après on va illustrer ça avec des émotions. Donc il faut qu'on réfléchisse aussi quand vous, selon les émotions que vous ressentez, vous ne parlez pas de la même façon. Eh ben, votre persona émotionnel, c'est pareil. Donc là, il faut aller un petit peu loin dans l'imagination en se disant, est-ce que c'est quelqu'un, quand il est en colère, il le montre ou il le cache? Est-ce qu'il va nous encourager quand il est content ou c'est de la retenue? Vraiment, là, il faut arriver à se faire une idée. Ici, on va mettre ses valeurs. Donc, par exemple, si votre stratégie émotionnelle, c'est comme Nike, c'est sur les valeurs, le sport, etc., le dépassement. Ben là, il faut le mettre, mais vous pouvez mettre des valeurs très fortes. Vous pouvez mettre féministe. Si c'est ça votre stratégie, là, ça va être la grosse partie. Et puis après, il faut mettre un storytelling pour arriver à situer un peu votre personnage. Donc le petit singe, il s'appelle Freddy, il est postier, il habite. Enfin, il faut qu'il ait une histoire. On se dise d'où il vient, où il va, qu'est-ce qu'il veut, quoi. Après, donc là. J'ai créé des cartes de méthodes d'engagement. Alors en fait, j'ai repris les méthodes d'engagement qu'on peut trouver dans le livre d'Aaron Walter et j'en ai rajouté d'autres. Donc c'est des techniques pour arriver à susciter des émotions chez nos utilisateurs. Donc on a la première, c'est surprise et enchantement. C'est par exemple les Easter eggs, c'est un moyen de créer de la surprise chez notre utilisateur. L'anticipation, bah, c'est la keynote, c'est tout ce qu'on peut faire par le teasing. Cordon de velours, c'est comment on va essayer de créer un cercle vertueux comme nos utilisateurs qui peuvent être les ambassadeurs et nous faire de la pub et donc ça va faire un espèce d'effet boule de neige. L'élévation de statut, c'est donner un privilège à un utilisateur, comme ça il se sent très heureux et c'est un ambassadeur, ça peut, les deux ils peuvent aller ensemble. La personnalisation, donc comme Netflix ou Amazon. La gamification, donc ça pourrait être un chapitre entier, comment rajouter les mécanismes du jeu dans un parcours. La gestion de crise, donc ça c'est si vous avez vraiment un gros pain point et qu'il y a une grosse crise, comment vous pouvez imaginer que
transformer l'expérience pour en faire quelque chose de positif. Par exemple, quand votre train il est très très en retard, bah, au bout de, je crois, 30 minutes ou 50 minutes, on est remboursé à hauteur de 100 euros. Bah, moi, je suis contente, hein, en fait, à la fin, j'attends les minutes, j'attends qu'ils soient encore en retard pour avoir mon remboursement et donc du coup, je leur en veux pas trop. L'amorçage, donc, c'est comment un stimuli 1 peut influencer un stimuli 2. Mais attention, pas de dark pattern, ça doit rester quand même éthique. Et laisser le choix, donc que l'utilisateur se sente libre. Donc, en fait, là, avec ça, l'idée, c'est de prendre des méthodes, d'imaginer comment on les met en place sur le parcours. Donc, par exemple, Freddy, il est farceur. Ma méthode, ça va être la surprise. Et il va balancer des vidéos YouTube un peu débiles au début. Et la réaction émotionnelle, eh ben, c'est que mon utilisateur, il va rigoler. Il va être, ça va le détendre parce qu'il a des tâches un peu compliquées à faire. Il va être content. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, vous avez la roue des émotions pour un peu essayer de figer un peu quelle émotion vous voulez chez votre utilisateur. On prend une expérience map classique. Donc une expérience map classique, elle s'arrête ici. On a, là, on a les peines. Là, on a les émotions au niveau du parcours. Je suis content, là, je ne suis pas content. Là, on a les opportunités, donc les gains qu'on aurait pu trouver. Et en dessous, en fait, on va mettre une couche dans laquelle on met nos cartes. Donc ce qu'on a pu trouver comme méthode. Des fois, c'est la même, mais au moins, on voit ça de manière globale et on ne met pas un petit easter egg à droite, à gauche, c'est pas trop maîtrisé. On se dit, bah, ici, j'en mets un petit peu, ici, j'en mets un petit peu. Et là, c'est les émotions qu'on va susciter chez nos utilisateurs. Et en fait, en rapport avec les émotions qu'ils ont dans leur parcours, on rajoute. C'est-à-dire que même si les émotions, c'est moyennement content partout, bah, là, moi, je veux créer de la surprise à la page d'accueil, je vais mettre des messages. Quand j'ai un problème, un gros pain point, là, je vais en mettre une petite couche aussi, comme ça, la pilule passera mieux. Donc là, ainsi, en fait, on a vraiment créé une stratégie qu'on voit de manière globale. Et par exemple, si on dit que nos marques, elles ont des personnalités émotionnelles, eh ben, on peut se dire que Apple, sa personnalité, c'est Steve Jobs. Il mettait sa personnalité dans ses produits. Donc, c'était quelqu'un qui était perfectionniste, humain, mais fermé. Et les produits, eh ben, ils sont designés absolument partout. Ça reste humain. Ils voulaient mettre le premier Mac. La première volonté, c'était un petit sourire qui dise bonjour quand on l'allume. Et ça restait tout le long. Et c'est très fermé, Apple. C'est pas comme les autres produits. On peut pas les customiser. Enfin, c'est vraiment, ça reste entre eux. Alors Google, ça c'est ma théorie. Google, pour moi, la personnalité émotionnelle de Google, c'est un enfant de 10 ans. Déjà, le logo, c'est les couleurs, enfin ça a été fait, l'historique c'est que ça, les pièces de Google étaient rangées dans des Lego. Donc le logo c'est des couleurs déjà assez d'enfant. Et dans les blagues en fait, pour moi Google il est drôle, il est secret parce qu'il met plein d'easter eggs partout, il est un peu farceur et il est très joueur. Hein. Donc on le ressent en fait et si on essaye d'analyser la personnalité tout au long d'une utilisation, on va sentir ça. Et Amazon, donc pour moi Amazon c'est le diable, c'est déculpabilisant, c'est la tentation, c'est facile, mais derrière il y a un petit peu de manipulation, voire de dark pattern. Mais bon, ça fonctionne, je ne crache pas dessus, mais voilà, c'est pour savoir où vous voulez aller. Donc pour finir, je dirais que créer un persona, c'est pas obligatoire, moi c'est ma vision, mais ce qui est important, c'est que vous ayez un axe stratégique. Moi j'ai donné une personnalité à mon axe stratégique parce que je pense que c'est ce qui peut créer des leviers, mais c'est une solution, c'est très libre. Donc voilà, en takeaway, je dirais pensez vraiment à la big picture, pensez global, n'oubliez pas votre big goal, donc vraiment le but de votre produit principal, parce que le design émotionnel, ça se rajoute en plus, mais ce n'est pas fait pour prendre le pas, sinon c'est raté. Et il ne faut pas hésiter à s'inspirer des meilleurs, il ne faut pas réinventer la roue, c'est sans plagier, mais on peut. Apple, ils s'inspiraient des meilleurs et ils le disent ouvertement. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions, voici mon mail. Les templates que je vous ai montrés, c'est des versions bêta qui sont en cours de test que j'utilise sur des projets. Si vous avez des projets et que ça vous intéresse d'utiliser mes templates, vous m'envoyez un mail, je vous les envoie, on communique et comme ça, vous pouvez me faire vos feedbacks puisqu'ils sont amenés à être améliorés. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que
Attends, tu peux te lever, je te vois pas. Est-ce que tu penses que Facebook, ils ont un persona Facebook, il copie beaucoup. Non, j'ai pas. En analysant comme ça, j'en ai pas trouvé. Il copie un peu Google avec des Easter eggs, mais j'en ai pas trouvé vraiment en fait dans Facebook. J'ai pas vu assez d'éléments de design émotionnel en parti pris. Oui, vas-y. Excusez-moi, j'ai un micro. Alors, le son sort pas, mais c'est pour parce qu'on stream en live. Donc c'est pour les gens qui regardent sur... je suis pas fou avec un micro, je tenais juste à vous rassurer. À chaque fois, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec son micro ? Donc les questions, je vous demanderai de les répéter dans le micro, s'il vous plaît. Donc si vous avez une question... Est-ce que tu penses qu'il y a des limites aux personas émotionnels ? À savoir que là, les exemples que tu as présentés, c'est beaucoup des personas qui sont agréables, qui sont enjoués, qui sont plutôt joueurs... De manière générale, est-ce que tu penses qu'on peut aller vers des personnalités acariâtres, des personnalités qu'on aime détester, des choses comme ça? Ouais, moi je pense qu'il y a plein de cartes à jouer sur les défauts, en fait, parce que c'est ça qui fait rire les gens. J'ai quelqu'un qui a mis Picsou en persona émotionnel, qui est super radin, et je pense que son design émotionnel, ça peut être très drôle, en fait. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de limite, et dans la vie, on aime les gens parfois plus pour les défauts que pour les qualités, donc je vois pas pourquoi dans une expérience, ça marcherait pas... Mais ça reste des défauts aimables, du coup on peut pas faire... Après il faut travailler une stratégie de manière positive. Nous on essaye de déclencher des émotions positives, si on déclenche des émotions négatives ça sert plus à rien, donc oui il y a quand même une limite là-dedans, oui. Je propose de faire encore une dernière question et qu'on passe à l'autre talk, mais déjà un petit peu tard. Oui. Bonjour. Donc bonjour, je m'appelle Yves, je suis product owner mobile. Dans la première partie, donc concernant le design émotionnel, vous avez parlé de la pyramide de Maslow. Donc remis au goût du jour par Aaron Walter. Ouais. Vous avez parlé, donc il y avait trois points. Donc la première partie c'était fiable, utilisable, et vous avez dit que la plupart des designers ne pensent pas à faire quelque chose d'agréable. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas tomber dans cet écueil? Eh ben, ça dépend des projets, parce que souvent on est stressé par le temps, par les contraintes, mais en fait, ça pourrait être, si on est dans une méthode agile, rajouter des US spéciales pour le design émotionnel. C'est pas forcément la priorité, mais ça peut être un bon plus. Donc après, il faut arriver à l'inclure dans les méthodes, je pense, et en parler, en fait. Il faut en parler avec les décisionnaires, c'est comme ça qu'on arrivera à faire passer. Hein. D'accord, merci. Merci beaucoup. Leslie, avant de te remercier, est-ce que tu peux me dire, il y a eu peu de questions, mais quelle était la meilleure question? Gros enjeu. Je ne peux pas choisir, je vous aime tous. Voilà, la réponse. D'accord. Non, j'y gagne quelque chose. Ben oui, c'est pour ça, tu vois. Eh ben, le premier, parce que courage, j'applaudis toujours les gens qui passent les questions. Qui était le premier, comme j'étais en retard? Qui était le premier? C'est quelqu'un par là. Ah, monsieur. Alors, je vous l'envoie, c'est quelqu'un un peu loin. Après, ah bah ouais, super. Merci beaucoup Leslie, je tiens encore à t'applaudir, bravo. Merci. Est-ce que tu restes pour après la pizza pour discuter avec... Change de micro, bois un verre, détends-toi et puis donc Leslie sera après disponible pour échanger. Pendant que Quentin s'installe. Donc Quentin, je vous donne un petit peu avant, il travaille chez Nexity, vous connaissez Nexity? Oui, bon ça c'est assez connu. Je meuble. Ok. Vous restez après pour parler avec nous? Parce que je viens de découper 40 pizzas, donc au moins une centaine, donc ça serait sympa qu'elle ne me reste pas sur les bras. Alors, il y a des quatre fromages, il y a des légumes et il y a du jambon au fromage. J'ai goûté les deux. Je ne suis pas trop pro-légumes parce que je suis un garçon. Les classiques, les images d'Épinal. Et donc voilà, donc il y aura un peu du jus d'orange et à boire. Et tout ça. Quentin? Ça arrive. Est-ce que vous voulez qu'on aère un petit coup là, pendant qu'il n'y a personne? On va aérer un coup. Quentin, on fait une baisse de température, on fait une chute de température. Pendant que tu t'installes, vous pouvez ouvrir un tout petit peu. Ouais. Ça, il fait très chaud, mais par contre, on sera obligé de refermer pour le stream, parce que sinon, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Juste 2 secondes, parce qu'il fait vraiment très chaud. Quentin, est-ce que tu es prêt? Oui. Tu es prêt comme jamais?
comme jamais. Ok, super. tu pourras fermer, Julien, après les... quand dans... dans 2 minutes. Je te laisse. Ouais. Allez, c'est parti. Bonne présentation. Bah, bonjour à tous. Je m'appelle Quentin, je suis UX designer donc chez UX République. Et actuellement, je suis en mission chez Next City. Donc Next City, pour ceux à qui ça parle pas, c'est un promoteur immobilier. Enfin, pas que, ils vendent aussi des appartements, etc. Mais en gros, ils sont dans le domaine de l'immobilier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'UX dans les startups et plus particulièrement dans un incubateur de startups. Pour UX designer, l'UX designer est le spécialiste de l'expérience utilisateur dans sa globalité. Ça tombe sous le sens, mais je trouve ça d'autant d'importance dans un incubateur. On découvrira ensemble pourquoi tout au long de la présentation. Mais pour parler juste un petit peu de Next City, donc en fait, ils ont créé un startup studio donc il y a 2 ans. Et donc, c'est des incubations qui durent 4 mois environ. Enfin, c'est 4 mois d'ailleurs. Des incubations aussi bien internes que externes. Donc, ils font des appels à projets, des gens viennent, ils présentent, etc. Ou alors, il y a des gens internes qui ont des idées et ils viennent les développer et les challenger dans une durée de 4 mois. Après, donc, ils ont des niveaux de maturité différents. Donc, il y a des gens qui vont arriver avec une équipe ou avec un projet mûri déjà depuis 3 ans, d'autres qui viennent vraiment de zéro. Donc, c'est un lieu assez atypique, ils ont fait ça pour amener à l'innovation. Et donc comment ça se présente? C'est donc 4 mois d'incubation qui sont répartis en 4 balises. Donc la première balise, c'est le besoin client. Donc c'est le détail de l'idée, c'est les interviews, l'étude du marché, etc. La deuxième, donc, c'est la solution, donc les business model canvas, le pitch, la valeur, etc. Ensuite, on passe aux user stories, les prototypes, on fait appel à des UX designers, des développeurs. Et enfin, il y a la période d'acquisition, donc on va aller tester notre produit et voir si valider nos hypothèses. Ce qui se passe, c'est que durant les 4 mois d'incubation, vous voyez que l'UX, il arrive en 3e. Donc ça a été le cas pour nous, avec mon collègue Alexandre, qui travaille aussi là-bas avec moi. Et en fait, ils nous ont appelés à la balise UX, donc pour venir faire de l'UX en 3e balise, donc c'est-à-dire à peu près 2 mois après l'incubation. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que ça n'a pas été très pertinent, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient un peu perdues dans leur projet. Et en fait... ils se sont dit pour l'incubation d'après, donc celle de janvier, on va intégrer des UX dès le début. Donc du coup, on a dû revoir un peu nos méthodes, voir un peu comment on pourrait apporter de la valeur à l'UX design dans un environnement qui est l'incubation de start-up. Et voilà. Donc comment ça se passe? Il y a une semaine d'onboarding avec toutes les start-up. Donc c'est un peu le moment où on va expliquer comment vont se passer les 4 mois, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va essayer d'atteindre comme objectif, etc. etc. Et par quoi on la commence par un petit icebreaker qui s'appelle le naufragé. Donc en fait, l'idée ici, c'est juste de sensibiliser à l'UX design, donc sensibiliser aux besoins utilisateurs. Donc comment ça se présente? On fait des équipes de 3 ou 5 personnes et on leur dit, bah voilà, vous êtes sur un bateau, il y a une tempête, vous voyez une île déserte au loin et il y a un homme qui est seul, ou une femme, à lui de le définir, qui est seul sur une île qui apparemment est déserte et vous avez le choix de lui envoyer 5 objets pour qu'il puisse en sortir. Donc en fait, c'est prendre en compte un peu les besoins qu'il a, donc qui sont liés à être seul sur une île déserte. On ne sait pas combien de temps il va rester, etc. Et donc, chacun met des idées, on les développe, pourquoi on a choisi ça, etc. Par exemple, pour un exemple, on va donner une boîte d'allumettes, sauf que la boîte d'allumettes, c'est inconsommable, etc., etc. Donc après, chacun choisit un peu ce qu'il veut mettre en place, mais c'est une bonne entrée en matière pour aussi bien que si on a des équipes pour les initier à ce que c'est que l'UX design. Et là, en l'occurrence, pour des startups, c'était l'idéal. Ensuite, on fait un petit atelier de questions racines. Donc pour nous, ça nous aide parce qu'on ne sait pas vraiment à quel stade de maturité ils en sont dans leur projet. Donc là, on revient un peu sur des bases. On cherche à voir où est-ce qu'ils en sont dans leur tête. Donc il y en a, c'est déjà tout est clair. D'autres, on ne va pas plus loin que le quoi ou à qui et pourquoi on veut faire ça. Et donc du coup, ça nous donne des idées un peu de comment on va organiser les 4 mois pour se dire, voilà, toi, telle start-up, on va commencer par ça, ça et ça pour répondre à toutes les questions qu'on se pose. Ensuite, on fait un scénario catastrophe, scénario idéal. Donc ça, c'est toujours sympa parce que ça demande d'être créatif et de du coup se dire, je suis content si... ce serait merveilleux si à court terme, mon entreprise devient ça et à long terme, devienne ça. Donc du coup, ça donne un peu des objectifs déjà. Et puis à l'inverse, ce serait la catastrophe si jamais il y avait ça qui se passait et voir comment on pourrait éviter que ça se passe. Donc ça nous donne déjà un peu des idées de vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on pourrait prioriser, etc. Ensuite, on attaque directement avec des proto-personas. On les a revus un peu de manière très simplifiée avec Alexandre parce qu'en fait, on a peu de temps, on n'a pas beaucoup de temps par projet et puis c'est quand même bien de mettre un visage sur notre futur utilisateur. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un proto très basique avec le nom, le prénom,
voilà, une photo, les besoins et les frustrations qu'on connaît, sachant que ça va être amené à évoluer, mais c'est juste une base pour au début se dire ok, on s'adresse à peu près à cette personne. Bien sûr, oui, ça amène à évoluer par les interviews, la recherche, etc. Donc pour simplifier ça, parce qu'il y a des gens qui sont présents donc, tout le temps chez Next City et d'autres qui sont en remote parce qu'ils viennent de Lyon ou parce qu'ils viennent d'autres régions de la France, on a fait un petit template que vous pouvez retrouver, enfin que vous pourrez retrouver sur le site du X-République, mais voilà, un template assez simple qui explique comment faire pas à pas pour créer des personas. Et donc ça permet de s'approprier la méthode, de voir un peu pourquoi on fait ça, etc. Maintenant, je vais vous parler de 6 projets, donc avec des cas concrets pour chacun des projets. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces projets-là? Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Solaire. Donc c'est Stéphanie, c'est une personne qui travaille chez Next City, donc qui est arrivée avec une idée et qui avait juste une idée globale qui était de travailler dans le solaire. Et donc du coup, on part de zéro pour le coup avec elle et comment on l'accompagne durant ces 4 mois. La première chose qu'on a cherché à voir, c'était de voir un peu l'appétence qu'il y avait au niveau des gens sur le sujet sur le solaire en règle générale. Du coup, on a posé des questions un peu vagues pour savoir où en était leur niveau de maturité face au solaire. Ce qu'on a fait pour gagner encore plus de temps, c'est qu'on s'est inscrit sur tous les groupes Facebook de France liés au développement durable, à l'énergie solaire, etc. Et on a posté nos formulaires dessus et on a eu en 3 jours 287 réponses, ce qui peut paraître peu, mais ce qui au final est quand même assez conséquent, surtout avec un média comme Facebook où il y a beaucoup de contenu qui passe. On a pu du coup enrichir ces personas. Donc par l'intermédiaire de ressources qu'on a trouvées sur Internet liées à l'énergie solaire, on a pu aussi l'agrémenter par les interviews qu'on a fait, aussi bien physiques que par les formulaires. Et donc sans arrêt, on va venir l'agrémenter, mais déjà entre le début de l'incubation et 2 semaines après le formulaire, on voit déjà qu'il y a un sacré gap. D'ailleurs, il a même changé de photo. Donc je sais pas si... pour elle, c'était son idée, elle partait de zéro, donc il a fallu qu'on la place sur un marché, voir où est-ce qu'il y avait du potentiel. Du coup, on a un peu fait un graphique pour se dire, ok, là, il y a un marché qui est fort, là, il y a peu de clients, du coup, où est-ce qu'on pourrait se placer, nous, en faisant un benchmark de la concurrence, et pour pouvoir avancer. Et à chaque fois qu'on avait une idée qui était bien ou un point sur lequel on voulait se mettre, et on faisait un business model Canva et on le challengeait avec les autres, et on se disait, est-ce que ça peut être viable, est-ce que ça peut marcher? Ensuite, il y a eu un sujet qui était assez intéressant pour elle, c'était le naming. Donc, ça paraît bête dit comme ça, mais finalement, c'est des choses qui prennent du temps. Du coup, on a fait avec Alexandre un petit atelier. Donc, en fait, de manière collégiale, avec 2-3 personnes en plus, on note autant de noms qui nous passent par la tête. Donc, avec par exemple description et attributs de l'offre. Donc, par exemple, si on fait un truc de vacances, on va s'appeler Holiday. Juste des lettres, IBM, des mots qui n'existent pas, enfin, qui n'ont aucun rapport avec le service ou le produit, Apple, Facebook, etc. Et donc on les liste de manière collégiale, donc on vote tous ensemble après sur lesquels on préfère, on en choisit 4 ou 5. Et après, dès qu'il y a du monde qui passait dans le Startup Studio, on donnait une grille d'évaluation avec les 4 ou 5 noms mis en place. Donc par exemple, on a la première impression, donc je lis Twitter, qu'est-ce que ça m'évoque? La sécurité à l'international, qu'est-ce que ça donne, etc. Et du coup, ça nous permettait d'avoir un scoring, donc par exemple, UX République, on va dire première impression, on va mettre 7 sur 10 parce que ça m'évoque ça. À l'international, on va mettre 8 sur 10. Et du coup, après, on avait un classement des noms qui fonctionnaient le mieux parce qu'on a pu les partager avec tout Next City, enfin tout le passage des gens qui passaient au Startup Studio. La seconde startup, c'est MyLobby. Donc lui, c'est un cas un peu encore différent. Il est arrivé avec un produit qu'il avait déjà bien en tête. Ça faisait 3 ans qu'il travaillait dessus. Il avait déjà incubé ses stations F. Et en fait, lui, son objectif, c'était de croître. Maintenant, il avait son idée en tête, il avait validé par l'intermédiaire d'un MVP plus que son idée marchait. Il voulait s'adresser au B2B, donc du coup, il était dans une phase de recrutement. Et donc, en fait, on s'est attardé le plus possible pour lui sur l'expérience map. Donc, on a fait toutes les expériences map que tous ses utilisateurs vivaient, dans un but surtout de lui mettre au clair ses idées qu'il avait dans la tête et de pouvoir les partager rapidement quand il y a des nouveaux arrivants qui arrivent. Pour dire voilà la vision du produit telle qu'on la voit, ça c'est notre persona primaire, c'est ça sa vision, c'est ça vers l'objectif qu'on veut aller. Donc pareil, Timothée il a un associé qui travaille à Lyon, du coup travailler à Paris et à Lyon c'était un peu compliqué pour faire les ateliers. Du coup on a fait un template qu'on lui a envoyé, que vous pourrez aussi retrouver sur le site, mais pour que la personne à Lyon puisse le faire facilement et la refaire et nous l'envoyer et la rechallenger par téléphone, mais qu'au moins de base dans sa tête, il a une vision un peu claire de qu'est-ce qu'on cherche à savoir avec l'expérience map, en fait.
Et donc ça, c'est une photo dans les lieux. Donc là, je n'ai pas pris tout le mur, mais globalement, dans leur petit coin de bureau dans l'incubateur, ils ont un mur avec leur expérience map, avec le persona attribué. Comme ça, bah, dès qu'on a un doute ou dès qu'on ne sait plus vraiment vers où on se dirige, bah, on regarde ça et comme ça, tous les nouveaux arrivants peuvent se l'approprier. Autre start-up, il s'agit de Duflair, donc c'est porté par Guillaume. Lui, il avait fait un MVP, qu'il avait fait réaliser à l'étranger. Donc son produit marche, il l'a validé, il l'a vérifié, mais par contre, il a des drop-off incroyables sur ses formulaires d'inscription. Et en fait, son produit le bloque pour aller plus loin dans son business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des business qui loupent parce que son produit ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà analysé cette data, parce qu'ils avaient mis Google Analytics et Hotjar dessus. Donc on a pu voir où étaient les points de frustration les plus forts pour les utilisateurs et donc du coup aller les travailler. On a travaillé sur l'ergonomie du site avec notre expertise UX, mais aussi par l'intermédiaire des analytics. Et puis on a amélioré en fonctionnant par petites victoires. C'est-à-dire que pour lui, comme il y avait un enjeu business derrière, ce qui était hyper important, c'était d'améliorer ce produit. Du coup, on fonctionne tout le temps par petites victoires chaque semaine. Toutes les deux semaines, on se dit on va régler d'abord l'onboarding, ensuite on réglera l'arrivée sur le produit, etc., etc. Ozento, donc porté par Pauline, qui sont des maisons préfabriquées design. Donc, elle a un produit physique, forcément, elle a aussi une vitrine digitale qu'il faut alimenter. Mais ce qui est intéressant pour son projet, je trouve, en tant que UX, c'est une expérience client globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle vend des produits physiques qui sont imposants, qui sont des maisons, ce n'est pas quelque chose qu'on peut amener comme ça facilement sur un salon ou les montrer. Donc du coup, on travaille sur tous les supports qu'il peut y avoir autour, donc ils ne sont pas forcément liés au digital, mais ça peut être des kakémonos, ça peut être un livre, une plaquette, etc. En fait, c'est juste dans l'idée de se dire que l'UX, il a des méthodos, il a des ateliers, mais en fait, il peut très bien faire du InDesign ou faire du Photoshop, parce que toujours dans le besoin de l'utilisateur pour lui dire tu as besoin de ça, en fait, et du coup, on va construire dans la globalité l'expérience. Donc ça peut être du marketing, etc., etc. Ça se retrouve aussi, elle a fait un salon qui s'appelle Maison et Objets. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand salon à Paris sur le design. Et donc elle avait un stand, donc on avait travaillé son stand, on avait fait un petit jeu pour acquérir des leads, où chacun rentrait son adresse mail pour passer une nuit dans un Ozento. Et puis ça nous a permis aussi, nous, de faire du shadowing, de pouvoir voir un peu en dehors les craintes que les futurs clients avaient face à un investissement comme ça. Upskin, lui, il est issu de la génération précédente, donc celle où on est arrivé 2 mois après. Et en fait, quand on est arrivé, il était un peu perdu vis-à-vis de son projet. Il ne savait plus vraiment vers quoi il voulait se diriger. En fait, il voulait faire une plateforme de recrutement, mais il était un peu perdu dans son projet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dès le début? C'est qu'on a voulu reprioriser un peu son mode de pensée, enfin, reclarifier son mode de pensée. Et on s'est inspiré du Golden Circle de Simon Sinek. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3 cercles qui partent du pourquoi, comment et quoi. Et donc du coup, pourquoi tu veux faire upskill? Qu'est-ce que tu cherches derrière? Comment tu veux le faire? Et avec quoi tu vas le faire? Et du coup, ça a permis d'un peu gayer toutes les pensées qu'il avait dans sa tête, les reprioriser vis-à-vis de ce qui était faisable dans les 2 mois qui restaient, et qu'est-ce qu'il voulait faire à l'avenir, et qu'est-ce qu'il voulait que upskill devienne. Atelier NX, pareil, autre projet. Là, c'est différent, c'est une approche différente, parce qu'eux, ils ont voulu tester très rapidement le potentiel de leur idée. Ils ont voulu en tester plusieurs. Ils avaient plusieurs idées, donc avec différentes propositions de valeur. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des landing pages avec un rythme à peu près d'un jour par landing page, donc en profitant de toutes les ressources gratuites qu'on a sur Internet, donc sur Product Hunt, sur Betalist, les outils que nous offre Mailchimp, etc. Et donc, du coup, on a une production assez rapide qui nous permet de mettre en ligne, lancer des ads sur Facebook, voir le comportement des gens, voir quelles sont les appétences, etc. Et donc, c'est profiter juste des outils qui existent, en fait, ne pas réinventer la roue et prendre ce que les autres ont fait, parce que finalement, ça marche bien pour tester au moins ce qu'on veut tester. Juste pour faire un petit takeaway rapide, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que durant ces 6 mois d'incubation, ce qui en ressort beaucoup, c'est que il faut l'UX, c'est des méthodes qu'on a apprises, c'est des choses qu'on peut faire dans l'ordre, etc. Mais parfois, c'est pas forcément l'atelier qu'on souhaite faire ou qu'on voulait faire parce que c'est l'heure du design thinking ou parce que c'est l'heure dans laquelle on l'a appris ou dans laquelle on le fait ailleurs. C'est pas forcément celui dont la personne a besoin. Du coup, c'est toujours se réadapter
et pourquoi pas trouver des nouveaux ateliers pour avancer. Donc une veille permanente sur tous les outils, sur tous les sites, sur tous vos sites préférés, mais pas que. Tester rapidement, être ouvert d'esprit, parce qu'on est là pour accompagner les startups, on ne doit pas juger, il a une idée, il apporte. Parfois c'est difficile de se projeter, mais il faut quand même se dire, ok, on va tout faire pour que ça marche. Sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire on a nos ateliers, on a nos petits on a nos logiciels qu'on aime bien, etc. Mais là, l'idée, c'est de juste penser client et expérience utilisateur et du coup vraiment ouvrir des portes à plein d'autres choses. Être formateur, parce qu'ils sont aussi là pour passer un moment d'apprentissage et être initié à l'UX. Donc régulièrement, on a fait pendant le temps d'un repas apprendre les meilleures pratiques pour chercher sur Google ou une initiation au développement, qu'est-ce que c'est que le développement web, etc. Et partager des bons moments pour que tout le monde s'amuse et qu'on avance. Pour aller plus loin, il y a un incubateur qui s'appelle iCombinator, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un incubateur aux États-Unis qu'on travaille avec Uber, ils ont travaillé avec Airbnb, et ils ont un site qui s'appelle playbook.samaltman.com, et du coup, il y a toute leur expérience qu'ils ont avec les startups depuis un petit moment, ils expliquent leur méthodologie, comment ils les aident à grandir, et c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci Quentin. Merci. On va passer une session de questions-réponses avant de te libérer. Ça marche. Est-ce que des gens... Ah, j'ai une question déjà, donc je me déplace. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Je voulais savoir, c'est plus particulièrement sur le cas, je pense, de Solaire. Ouais. Vous avez travaillé aussi, vous avez collaboré avec d'autres expertises type marketing ou autre. Oui, j'imagine, parce que du coup, le positionnement de l'entreprise et tout, même, j'imagine que vous n'avez pas forcément fait ça tout seul, juste avec bien sûr, ouais. le diagramme. En fait, avec Alexandre, on a des compétences un peu variées, mais parfois forcément il manque des choses. Du coup, on n'hésite pas à dire, là, on va avoir besoin de compétences plus qualifiées. Donc, par exemple, on a travaillé avec Weave, la Friche, c'est une entreprise qui est juste à côté, qui sont spécialisées dans le design thinking. On a travaillé avec des commerciaux, etc. Donc, dès qu'on sent qu'il y a un besoin plus fort qui dépasse nos capacités, en fait, on fait tout de suite appel à des expertises plus qualifiées. Et vous les faites collaborer au workshop que vous organisez ? Exactement. En fait, on a la chance d'avoir au Startup Studio un manager qui nous simplifie beaucoup réunir les gens au même moment, à la même heure, pour faire un atelier d'une ou deux heures. D'accord, merci. Mais à chaque fois, on convie tout le monde. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez avec des startups, ce qui demande, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'aller souvent très très rapidement et de tester. Dans quelle mesure c'est compatible avec une démarche UX qui demande aussi parfois de la prise de recul et de la réflexion sur un peu plus long terme ? En fait, on peut faire beaucoup de pivots et on peut changer du tout au tout assez rapidement. Donc on a la chance de pouvoir faire ça. Et surtout, il n'y a pas de process entre chaque étape qui est très long. C'est-à-dire que si demain on dit on change, 20 minutes après, on s'attaque sur le nouveau sujet et on essaie de le régler. Et en fait, on fait beaucoup de Lean UX, donc on lance et on regarde et on apprend. Et parallèlement à ça, on mène encore nos interviews utilisateurs quand il y a un peu de moments plats. Par exemple, le site est lancé, on a 5 jours de ads, donc continuons à faire nos interviews et à peaufiner un peu le persona, etc. Mais on arrive à faire les deux, entre guillemets, pas aussi poussé, je pense, que si jamais on passait 3 mois à faire de la recherche utilisateur et à aboutir le sujet, mais... On essaie de travailler un peu de manière simultanée sur les deux sujets. D'accord, merci. Alors, j'ai une question ici. Concernant l'entreprise là où vous avez lancé des landing pages différentes tous les jours, une landing page par jour, ça suffit pour avoir suffisamment d'informations ? Non, en fait, on ne les lançait pas. Enfin, je me suis mal exprimé, mais on les créait en une journée. Après, d'accord. On faisait des tests d'une semaine. Okay, et après, on faisait l'autre. D'accord, une semaine, ça me paraît plus, parce que j'ai dit une journée, ça me paraissait... Ouais, je me suis mal exprimé. Mais par contre, on avait un débit de production, entre guillemets, qui était... on ne voulait pas passer trop de temps sur des sujets comme ça, mais du coup, on voulait faire... en une semaine, on fait nos 5 landing pages et après, on les répartit sur le temps. Je propose une dernière question. Après, Quentin sera disponible pour échanger avec vous. Est-ce que quelqu'un a une question ? Non ? Et peut-être, moi, une question, parce que pas l'occasion beaucoup de se parler, mais qu'est-ce qui t'a plus surpris dans cette
d'avoir plein de projets en parallèle par rapport à un projet plus classique que nous on peut mener, c'est-à-dire vraiment des projets plutôt entre, qui vont durer entre 4 mois et 1 an et 2 ans, où justement tout prend un peu plus de temps, on a plus de temps pour approfondir les sujets. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, qu'est-ce que t'aimes le plus et qu'est-ce qui te manque le plus dans ce type de, projet ? Bah, je trouve que c'est le taux de production. En fait, pour avoir fait une mission un peu plus longue ailleurs avant, où on est sur des projets qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus intenses, et qui sont, bah, où finalement pour avoir un résultat, il faut attendre parfois 4, 5, 6 mois. Là, l'avantage avec de travailler en start-up, bah, c'est déjà ils sont plus malléables, ils sont plus ou moins seuls ou en équipe, ils sont ouverts à toutes les propositions. Ils savent en plus qu'on est là pour les aider dans le métier qu'on connaît. Et du coup, bah, c'est ce taux de production et ce taux de rebond qu'on peut avoir et l'agilité qu'on peut avoir pour développer l'idée. Ok. Et la plus grosse résistance qu'on peut... Est-ce que tu penses que les porteurs d'offres peuvent avoir une résistance sur la connaissance de l'utilisateur ? Ils connaissent déjà l'utilisateur ? Est-ce que tu as reçu un petit peu ressenti un peu ce blocage par rapport à ton expertise en tant que designer ? Bah, y a besoin d'évangéliser un petit peu, mais ça se fait de manière assez simple, en fait, sous forme de discussion, parce que finalement, ils comprennent. Et surtout, on essaie à chaque fois de montrer pourquoi on le fait et comment on va le faire et qu'est-ce que ça va changer. Du coup, en général, c'est toujours bien reçu. Et il n'y a pas eu de gros blocages liés à l'UX design en général. Ok, super, merci bien. Merci. J'ai une dernière question à te poser pour faire gagner notre petit lot, pardon. Alors du coup, à part la mienne bien sûr, quelle était la meilleure question ? Quelle était la meilleure question ? Bah, mais plusieurs. Elles sont toutes intéressantes. Je sais, mais il faut que tu fasses un choix. Faut que je fasse un choix. J'ai bien aimé la question de... Je sais pas, monsieur, mais sur le besoin de... Si on arrivait à faire les deux en même temps et si c'était pas un peu... Oui, monsieur. Bah, je connais pas son prénom, mais... Monsieur, est-ce que vous portez du S ? Parce que j'ai plus que du S. Ah, ça m'a... Vous avez bien quelqu'un qui met du S ? J'ai plus que du S, je suis désolé. Voilà, du S, et puis comme ça, vous aurez quand même un sticker. Voilà. Je vous remercie, merci à tous, merci encore beaucoup. Quentin pour cette super présentation. Pardon. Il est tard, vous avez faim, ça tombe bien, il y a des pizzas, il a fait chaud, ça tombe bien, il y a des choses à boire. Donc n'hésitez pas à rester avec nous après pour discuter. Et encore merci, bonne soirée.